plop les gens, de retour du coup sur Basement, si mon accent anglais n'est pas trop pourri, la cave, non, il y a déjà The Cave, j'ai déjà fait d'ailleurs, pas en VOD normalement. Du coup on a fait les deux premiers chapitres et on est attaqué le troisième. Ouais donc Hui Xiao a des problèmes financiers en ce moment. Et il a travaillé il a accepté de travailler avec nous pour le sortir de son trou. En un mois, il doit payer 11 000 dollars à ses investisseurs, ou sinon il va perdre son restaurant. Tous ses restaurants. Du coup, on va fournir Hui Xiao avec du matos. Le vendre, c'est son problème. Ouais, vendre, pas de problème. Mais tu me protèges hein, à mes restaurants. Je veux pas me faire baiser. J'ai pas vu que c'était Vixiao et pas Gentar ici. Ouais, tu vas prendre un lot tous les 3 jours et le premier batch est prêt. Ok, 3 jours, je ramène l'argent pour prendre les tout. Cool, allez en cuisine, Kenny. On a masse de taf à faire. Maintenant que les gangs sont occupés à se taper dessus entre eux et qu'ils font pas attention à nous, on va prendre avantage de la situation et pas toucher à eux. On va les laisser tranquilles. Oui, plus je streamerai, plus il y aura du monde et potentiellement une communauté. Donc, toi tu vas là. Toi tu vas là et toi tu vas là. Je vais vérifier. 04, 1, ouais. Comme ça, celui qui est vraiment le plus productif et le plus proche des stocks. Et ceux qui sont un peu moins productifs, bah. Ils vont perdre un peu plus de leur stamina à faire des allers-retours, mais c'est pas grave. Donc il faut des batchs de 15 pour Hui Xiao. New room upgrade available. Un nouvel employé est prêt. C'est un peu moins Die and Retry qu'il a de gens. Oui, bah c'est plus gestion. C'est un genre que j'affectionne beaucoup aussi. Je t'ai prévenu de pas m'emmerder, Tupo. Ok. Ouais, Miguel. Oh putain. Et toi aussi, t'aimes bien les jeux de gestion, Flo? Alors, upgrade. Oh! Donc là, increase la productivité à 4 et mais moins 6 de puissance. Alors que là, c'est que moins 2. Et increase productivity, attract metal object. Et on n'a pas assez d'électricité. Ça, on peut l'améliorer. Oh! Et on n'a pas de cash, ok. Est-ce que... Non, non, tu travailles. Oui, tu viens de la commu... U4, repas universaliste 4. Ah, les camions qui passent. Okay, on va sûrement devoir attaquer cet endroit. Non, ils s'attaquent entre eux. C'était pas une bonne idée de que les gangsters se battent entre eux.
Ouais. Et j'ai pensé qu'on pouvait travailler avec Yuxiao. Ouais, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le... Delivery... La livraison. Au fait, est-ce qu'on va le faire à temps? Bah, il reste 2 jours et j'en ai déjà 15, donc large. Ouais, les personnages te font penser à Breaking Bad aussi. Ouais, surtout Gunter, lui, là. Chauve à lunettes. Après, je ne connais pas personnellement Breaking Bad, j'ai pas... Ah, les gars, je suis dans... Hein? You don't got any restaurant business. Les gars, vous êtes dans un restaurant, dans une affaire avec de japonais Frankenstein. Mais tout est dans mon territoire. Donc vous devez me le passer, me l'envoyer. Non, vous avez rien à voir avec ça, ce restaurant ne vous appartient pas. Ouais, vous revoyez tous les deux. Ces restaurants sont dans mon territoire. Ouais, on doit les empêcher de capturer le resto. Il est où le resto? Miguel's Base. C'est celui-là? Oh non, c'est pas bien. Les gangs sont... Ils sont encore... S'il capture Squid Asshole, vous le reprenez, on est vraiment pas bien. Kenny, on doit courir ce resto. Ouais. D'accord. Ok. Mais... Build room. Faire ça, locker room. Et il y a des gars qui savent s'y faire en production, du coup toi on te vire, on n'a plus d'espace, du coup il faut agrandir, mais on n'a pas de thunes. Je l'ai découvert parce qu'il était dans mon... Il était dans un Humble Monthly ou Choice. Et du coup, je l'ai vu et voilà. Et je me suis dit, ah, ça a l'air cool. Et voilà. C'est tout. Alors. Tac, tac. Oui, ça, j'ai pas bien compris comment on utilisait. J'ai un peu foiré. Et paf, ça fait des chocapics. Bah du coup, oui, j'ai... Comment dire? Une seconde. J'ai vu le jeu, je me suis dit... pourquoi pas, en lisant le pitch. Après, j'ai regardé une VOD, un début de Let's Play, juste un épisode. Donc, je suis arrivé moins loin que ce niveau-là. Je crois qu'il avait fait une mission, voire une mission et demie. Et du coup, je me suis dit, ah, ça a l'air vraiment cool, vas-y, je vais tenter en stream.
pour démarrer. Si on a beaucoup de stock, on a besoin de plus de salles de vente. Si on n'a pas assez de trucs, on a besoin de plus de production. Et there is no room. S'il y a plus de place, faut améliorer ce qu'on a. Faut pas oublier la rationalité de construire. C'est mieux de démolir et de reconstruire. Ah. Oui, vaut mieux avoir un agencement qui est pas ouf, puis détruire et reconstruire plutôt qu'attendre avoir des espaces inoccupés et tout pendant un moment. Expand! Faut capturer des nouveaux bâtiments. Plus de bases. Pour produire et gagner plus. Comme Kennedy, ne pas mourir. Ok. Ok. Ouais, pendant que Tupo et Miguel sont en guerre. Ils s'envoient des combattants se battre l'un l'autre. Des fois, c'est mieux d'attendre que plusieurs combattants sortent avant de prendre le bâtiment. Si on attend le bon moment, ça sera bien plus simple de capturer un bâtiment. Mais il faut garder un œil sur l'horloge. Oui, donc, higher. Non. Mais de quoi? Ah oui, non, d'abord upgrade. Mais je peux pas, du coup, ça upgrade. Mais je peux pas l'upgrade au maximum. Là, j'ai plus de thunes. Et tiens, ton lot, Higdiao. Voilà nos profits du dernier batch, 1100. Ah, dans 3 jours. Ok. Mais là, donc on a un gars qui peut bien produire, mais ce qui nous intéresse... Je pense pas que Kennedy a vu la balle venir. Quoi? Ce qui nous intéresse là, du coup, c'est de récupérer ce bâtiment. Oh! Mais ils sont masses. On pourrait récupérer d'autres bâtiments, mais Ok. Qu'est-ce que je fais? Ah non, je vends ça. Ou même je vends ça. Pas besoin de 2 salles de repos. J'achète un nouveau locker. Non. Je l'améliore. J'ai un peu de thunes. Et j'embauche le maximum de combattants. Et il faut... C'est bien ici, hein. Non. Et ici, j'envoie tout le monde. Enfin, tous les combattants. Attaque. Tu dis dans une phrase, Kennedy, je ne veux pas mourir. Oui. Oui, Kennedy. Pas Kennedy. Ah, c'est proche, j'admets. Ok, donc là par contre, on produit énormément, alors qu'on a même que 2 producteurs. Et on les a pas améliorés leurs pièces.
on va revenir. Ouais, le jeu de mots. Mais du coup, vu que j'y pensais pas, j'avais pas compris. Bienvenue au Sensitive Squid. Merci, on est de retour en affaires. Maintenant, dégagez. Du coup, le... Quoi ? Bien, à part si on veut capturer autre chose. Ça fait plus de sens de les envoyer ailleurs plutôt que de les virer. Pendant ce temps, le chat saute sur le bureau. Ok, du coup. Toi, t'es mal en point. Hop. Use, voilà. Toi aussi. Toi, t'as full life. Toi, t'es quasi full life. C'est lequel qui fait le plus de dégâts ? C'est lui. Est-ce que... Ouais, c'est un peu pareil. Et toi, je vais te donner ça. Plus 5 de dommages. Ah, j'en ai un et je peux en acheter plus. Ok. Bon, après, j'ai pas de thunes. Donc voilà. Et... on a dit, ce serait cool que vous veniez attaquer cet endroit-là. Ah, vous avez sauvé mon restaurant, magnifique. On est de retour en affaires. J'attends ton retour pour le prochain. Alors, lui... Ouais, lui est mort, quasiment. Quoi ce dollar ? Oh, c'est que on les a pas payés, ok. Toi, t'as déjà plus de... À l'attaque. Et si on peut peut-être... Ah mince, trop tard. Tout le monde va bien à la maison. Chez moi IRL, oui. Dans le jeu, je suppose. C'est un peu plus compliqué pour savoir dans le jeu. On va dire. D'ailleurs, on va ralentir. Un sans garde. Ça, on peut garder. Alors ici, on va avoir besoin d'un garage et... une pièce à vendre. On va dire que c'est pas très légal tout ça. Bof. C'est pas loin, c'est... Il y a des employés qui reçoivent pas leur salaire, du coup ils sont pas très contents. Là je peux un équipe. Oh très bien. Du coup avant de le virer je pourrais le... Je pourrais récupérer ses affaires. Ok. Ok. Nanana.
Raider, c'est quoi ce succès? La souris, pas pile poil. Capturer tous les locaux neutres du secteur. Alors ici, ici on va acheter un vendeur. C'est le room. On va embaucher Carlton. Normalement, c'est Stamina de ce que j'ai compris pour la vente. Et on va acheter un camion de transport. Toi, tu vas travailler là. Et tout se passe bien. Ici, on produit au maximum qu'on peut. Et eux tous, j'en ai plus besoin. En soi. J'aurais peut-être pas dû leur donner de la drogue, mais... Je vais attendre 23h au cas où, mais... Ah mince, j'aurais pu... On vend. Ici, ça va être notre endroit de vente. Et pour embaucher les gens, ici, est-ce qu'on peut améliorer? On peut avoir deux véhicules. Mais ça a besoin de puissance. Motel room, on s'en fout. Office, on s'en fiche. Break room, il y en aura sûrement besoin. Un endroit, genre ici, on va avoir besoin d'électricité. Hop, hop. Et on a plus de thunes. Du coup... On va vous virer tous. Sauf Marcus, peut-être. Stamina égale endurance. Quel est le rapport avec la vente? En fait, tu vois, les personnages, ils se déplacent. Et le truc, c'est que les vendeurs, ils vont aller de leur endroit jusqu'au stock. Et ils vont faire des allers-retours comme ça, plus ou moins indéfiniment. On peut peut-être vendre ça. Non, c'était l'autre qu'il aurait fallu vendre. C'est pas grave. Et là, il leur faut une salle de repos. Et le truc, c'est que... marcher, en gros, ça leur... marcher et vendre, ça leur consomme la stamina. C'est suivant le jeu, en tout cas. Oh non, c'est pas bien. Ils ont capturé... Ok. Est-ce que... Et maintenant j'ai viré tout le monde. Ouch. Pas dû virer tout le monde. Après là, je peux peut-être mettre Kenny à la vente plutôt. C'est quoi ce 1 ?
Ah, c'est un gars qui n'a pas été de... Qui n'a pas eu de sous, je pense. Ok, du coup, on commence à avoir une entrée d'argent régulière. Lente, mais régulière. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord acheter une deuxième moto. Vu qu'on produit largement ce qu'il nous faut. Ah, dans 3 jours. Ok, à toute, t'en fais pas. Là, on a déjà quasiment ce qu'il nous faut pour le prochain batch, donc on peut largement vendre plus. Ce qu'il nous faut. Voilà. Et Squid, il est où? Il est là. Ah, madame, il a repris. Hein? Sensitive Squid Tentacle. Ah non, y en a plusieurs. Mince, c'est où? Sensitive. Sensitive. Nickel. Mais de quoi? Mais de. The Understanding Squid Tentacle. J'ai pas trouvé le resto, j'admets. Mais il est où le understanding? C'est eux? Oh punaise, entre le rouge... Ouais, ça doit être eux. Entre le rouge et le marron, je vois pas trop la différence, on va dire. Est-ce qu'ils vont arriver en deux voitures ou toutes dans la même? Ah, en deux voitures on dirait sur la carte. Ouais, mais ils s'attendent, ok. Tant mieux. Reviendrai. Hop, les fighters, revenez.
mais je les vois pas à ce moment-là. Donc. Ils s'en foutent de se reposer. Ok, alors. Toi, t'es le moins cher, du coup, tu vas être équipé d'une belle masse. Voilà, nous on continue de produire à deux, on est large pour le moment. On est censé avoir deux motos, c'est ça. Pour le moment, lui, il a du mal à être réapprovisionné à temps. Mais je pense que ça ne va pas durer. Nous, on va mettre ici plutôt. Alors, alors non, faut que vous y alliez ici. Go here. Oh. Productivity, Jenkins. What? C'est pas une caméra, c'est un outil de contrôle mental pour les attirer. Ok, bref. La notification revient sans cesse en fait. Si je mettrais bien un deuxième... Parce qu'ici on peut mettre un truc de vente. C'est oui. Donc là, je mettrais bien un deuxième truc pour les... Hop là. Alors ici, on envoie nos fighters. Ouais, il leur manque un PV, ça devrait aller. Est-ce que j'embauche? Hop là. Deux secondes, toi. T'es plutôt mal en point. Ouais, ouais, ouais.
Ouh. Et revenez ici, hein. J'ai pas fait gaffe. Ok, ça, apparemment sur le retour, ça en a utilisé un. Là, on commence à ne plus avoir assez de monde, on va dire. Non, on va commencer. Ah si, c'est marqué staff plus 3. Ouais. Staff plus 3, staff plus 3. Staff plus 2, du coup, on va améliorer ça. Et on va embaucher Karl. Karl qui est censé avoir une bonne prod. Donc Karl. Ah, il m'en manque un. Du coup, il me donne pas mes 1100 balles. Hein ? Des infos sur l'économie. Oh, il y a une fenêtre de stats d'économie. Dans le coin à gauche. Here you can see. Ici, vous pouvez voir des différents chiffres de 0 à 9. Donc la limite actuelle, c'est 8000 balles. On voit combien on a gagné hier, combien on a payé hier, et du coup combien on a gagné au total. Sur les 15 derniers jours. Là, il manque un peu de... Il manque de provisions ici. Alors que la production commence à être bien. Du coup, on va mettre un véhicule par vendeur. On va voir si ça suffit. Reposez-vous bien, ici aussi. Il faut que vous vous reposiez vite. Jours, mais on commence à ne plus pouvoir. Ok, alors si je regarde rapidement, c'est bien Gunther le plus rapide et il vient de s'améliorer. Ici, j'aurais jamais dû vendre cette pièce, mais c'est pas grave. On s'en fiche, c'est pas là. C'est pas là. Ça, c'est la base.
prisonnier. C'est pas là. Ah, c'est là. Sinon, l'upgrade, c'est mieux de faire plus de 4, 6. J'ai combien d'électricité? J'ai 18, 16, c'est 18. 19. Je peux améliorer 2 de 1. Il y a plus de jaune que tout à l'heure. Et on est de retour. On sera de retour. Ouais, ouais, j'ai réussi à prendre deux terrains. Et celui-là, mais celui-là, faut que je le laisse pour le restaurant. Donc là, la production, elle en est où? Elle en est à 11 sur 15, c'est un peu limite. C'est ça que j'ai essayé d'améliorer. Oui. Ok, t'es déjà au max. Et lequel des deux le plus... Non, en fait ils se battent un peu à l'infini, les verts et les rouges. J'avoue que j'ai pas trop regardé qui gagnait entre eux. Je suis déjà en train d'essayer de pas... De rester à flot, on va dire. Surtout que là on a déjà dépassé la moitié du temps, à peu près. Et je suis pas du tout à la moitié de l'argent. Du coup, j'essaie de produire un peu plus pour gagner un peu plus, évidemment. Là, il y a lui qui attend. Lui, il va venir chercher, mais il en a pas. Ouais, c'est que le... C'est trop loin. Non. Mais je paye quand même 316 de CR, ce qui est beaucoup. Et de l'autre côté, virer mes soldats, c'est pas ouf. Alors, est-ce que ici je fais une vente, des salles de vente ou pas? Deux fois où ils m'attaquent, où ils attaquent les restos, je devrais virer mes soldats. Pour le moment, il y a assez. Avec 4 motos, ça a l'air d'aller, mais si je leur demande d'aller dans l'autre sens, ça va pas le faire. J'ai pas spécialement la place de faire plus. C'est lequel? C'est ce resto-là? Oui. Donc... dire d'attaquer ça, peut-être que j'aurais dû attendre un peu plus longtemps qu'ils aient quelques soldats qui s'en aillent. Ouais, il y a un peu une armée ici. Alors toi et toi. Oh, et même toi, soignez-vous. Et toi, tu peux même équiper ça. Là, vous avez besoin
Vous avez besoin d'être en forme. Mais. Oh! Bustle, et tu peux le donner. Plus 15 de vie, et là, on régène la vie. Alors. Lui, il a augmenté en dégâts et HP. Ça fait longtemps que je l'ai, je vais le garder. Et toi, tu as une équipe, toi aussi. Et je vais vous virer tous les deux. Voilà. Vous vire et toi, tu reviens ici. Go here. Là on est un peu limite. Ouais, on est même très limite en production par contre. Ça on va vendre. Et on va acheter un autre générateur. Ce qui fait que genre ici on va produire masse. Ok, ça sélectionne seulement la plus importante. Ouais, ça va faire 6 de plus. Du coup, est-ce que... Et toi, voilà. Du coup, ça, le premier... Notre premier emplacement, c'est le labo. On commence à accumuler pas mal de cash. Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir la pièce ? Non. Voilà. Donc ici je produis, là c'est un peu loin mais je vends tout ce que je peux. Et ici c'est juste pour avoir des pièces supplémentaires. C'est juste pour avoir des pièces supplémentaires, avoir des véhicules. Bon, la salle de repos du coup elle est pas utile mais stocker notre argent. Ce genre de choses. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Mais non, il est là, Kenny. T'en fais pas, Flo, t'en fais pas. Il est là. Il fait des allers-retours, il est toujours en vie. Il va bientôt level up, d'ailleurs, en prod. Il capture lequel? Il capture celui-ci pour changer. Tu vois, on va attendre un petit peu. Pourquoi j'ai un... Ah, c'est le nombre de soldats que j'ai du coup, ou de gens qui ne travaillent pas peut-être. Juste les gens qui ne travaillent pas. Pour toi, si je te dis d'aller là, au lieu de... Non, ça reste à 1. Donc... Est-ce qu'il y en a qui se barrent? Là, il commence à y avoir un petit stock, mais pas grand chose. Hein. Ici, il commence à y avoir un peu de stock. Du coup, on va peut-être réellement pouvoir mettre un vendeur ici. Mmh.
On met un vendeur, faudra garder de la place pour du cash. Pour le moment, on va embaucher Daniel. Daniel, je te présente la batte de baseball. Et les gars, ce serait cool si vous alliez ici. Ouais, on va revenir. Ouais. Bon, par contre, les textes, c'est un peu relou vu que c'est toujours les mêmes. Alors, ici. Toi, tu te. Une équipe. En plus, tu coûtes super cher. Tac. Une équipe. Et. Toi, tu viens. C'était où? Et c'est toi du coup. T'es viré. Ce que je dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule. Je pourrais gueuler dans le cul d'un poney que ce serait pareil. Je suppose que c'est une référence à un truc que je ne connais pas, mais. C'est dans le thème, c'est marrant. 6000. Ouais. Alors. Ici, on va faire une salle de vente. Ici, le stockage, c'est pas organisé de ouf, mais de toute façon, il aurait fallu mettre le cash ici. Trop tard. On va embaucher un vendeur. C'est vrai que je pourrais regarder les salaires. Ça reste identique. Hein. Après, je pourrais sinon essayer de vendre de l'autre côté un peu plus vite. Là, j'ai bien mis le grade, oui. Oh, alors Kenny, c'est sûr que non. J'ai pas l'impression, non, qu'on puisse changer le nom des persos. Pour les fighters, ça serait dommage, vu qu'ils sont là pour être, j'allais dire, vendus, virés régulièrement. Mais pour les autres, c'est vrai que... être sympa. Bail transport, je peux pas en acheter plus hein. Mais c'est toujours de vous battre. Vous me fatiguez. J'ai juste vous tuer. Non, je vais aller buter. On a presque que garder, gagner assez d'argent pour Huixio. Allez, plus beaucoup. Oh, ça va être dur. Il reste 3 jours. Il faut 11 000. Lui, il me rapporte que 1100 tous les 3 jours. Ouais, lui par contre il a son stock, il est hyper bien. Eux ils ont large du stock. Eux ils ont pas beaucoup de stock par contre. Il y a trop de scooters qui vont ici en fait. Et en plus la vente est super longue. Oh, faut que je regarde un peu plus en bas. Au cas où.
prendre l'habitude de regarder en bas au cas où ils veulent me... m'avoir. Ok, alors là j'ai l'impression qu'il commence à s'exciter. Et plop toi, hop. Vas-y, équipe. Oh, punaise, là ils sont nombreux. Alors, ça c'est toujours bon. Ça c'est du boss base, on s'en fout. Ici ils sont nombreux. Là ils sont encore un peu nombreux aussi. Je vais peut-être embaucher un peu trop vite, mais. Et là c'est bon. Mais je pense qu'on va, on va s'attaquer de ce côté. Alors toi, utilise-moi ça, toi, utilise-moi ça. Et mince, il est mort. Mange un bagel. Allez, on va revenir. Bienvenue au Sensitive Scout Quid. Ok, alors toi... tu reviens là pour le moment. C'est dommage que je puisse pas racheter des bagels, des donuts du coup. On va te re-soigner. Je pense qu'on va même embaucher tout de suite. Hein. Hop, embaucher lui. Toi, hop, keep. Et vous attaquez tous les deux. C'est pas ce restaurant là. Je leur fais utiliser un peu de green parce que ça leur donne plus de PV temporairement et ça les soigne. Alors toi, du coup, tu me rends ça et tu es viré. Et toi, il faut que je t'emmène ici. Ah, ouais, ça peut être sympa de refaire du factorio. Il faudrait que je me fasse le défi 6-8 heures. Que je le réussisse, j'aimerais bien le réussir solo. Il est déjà amélioré, oui. Aussi, il est déjà amélioré. Mais à part ça, faire une méga base ou je ne sais quoi. J'ai même ton autorisation pour le stream. Bah oui, pourquoi pas. Après j'avoue que je suis souvent juste... Ah mince, on n'a pas eu assez de temps. On est à 9800 sur 11000 quoi. Non, this is terrible. Non, maintenant les investisseurs ils vont prendre mes restaurants et tous mes trucs. C'est pas bon pour le business.
Mince, on n'a plus nulle part où vendre. Et les gangsters vont nous trouver un jour ou l'autre. On va voir à quel moment il me fait revenir en arrière. Donc j'ai déjà tous mes restos, j'ai qu'un seul soldat pour le moment. On va le virer quand même. Mais non, en vrai, je ne sais pas à quel moment j'ai foiré. Hein. Je suis désolé, jeu. Ou alors je vends ça. Ici j'y mets le... la salle de repos. Ici je vends. Pas forcément besoin de l'améliorer de ouf. Mais je suis pas sûr que ça ait été rentable du coup. Et par contre, on va refaire un tour des restos. Et ils sont en train de se battre ici. Pas besoin de se battre, on a deux jours pour gagner les sous et lui il va pleurer dans trois jours si on lui rend pas des... si on lui récupère pas ses bâtiments, donc non, là ce qu'il faut c'est plutôt vendre tout ce qu'on réussit, tout ce qu'on peut. Du coup ici ça vend très vite, ici un peu de stock parce que c'est un peu la merde. C'était là. Ici, ça vend trop vite par rapport à ce que les... Il y a quand même la queue dehors, c'est juste qu'il n'y a pas l'approvisionnement. Et ici, j'ai mis avec l'amélioration pour... Non mais lui il arrive pas à vendre. Ouais c'est bel et bien l'une ou l'autre. Je veux dire en vrai je pourrais... virer celui-là vu qu'on arrive à la fin du temps, mais la journée est déjà passée donc autant le garder. On est à 10 000 plutôt que 9 700. Il reste plus que quelques heures, on va peut-être accélérer. Et non, il nous manque tellement rien. Allez, on va y arriver. Mais bon là c'est un peu du chipotage final je trouve. Alors là, maintenant il y a la queue ici. Faut voir ce qui se passe.
Bah, c'est pas que je suis perfectionniste, mais faut que je réussisse à y arriver, sinon j'aurais à recommencer. Ils vont auquel ou ils vont à celui-ci. Celui-là, faut le reprendre, et après. Quoique. On s'en fiche. Et oui, oui. Non, c'est le 31. Le 31, faut reprendre. Et il parie. Équipe-moi ça. Toi d'abord, il faut que tu... Voilà, et attaque, attaque. Ouais, I'll be back, tout ça, tout ça. Alors, du coup, toi, tu déséquipes, toi, tu déséquipes. Et juste une seconde. Non, 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 non. Attendez, on a deux jours. Si, si, du coup. Hop, toi t'es viré, et toi t'es viré. Oui, 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 t'es back dans le business. Là, il y a la queue, mais... Mais les scooters, j'en ai pas assez, c'est abusé. Genre j'ai 4 vendeurs et 4 scooters et ça ne suffit pas. Du coup j'aurais peut-être dû délocaliser une production au moins là-bas. Non mais lui il y arrive bien. Il faut lui accélérer sa vitesse. Juste quand je dis ça, il a plus de clients. Après, j'ai l'impression que ton dépôt est loin de Huixiao. Ouais, mon dépôt, il est un peu loin de... Surtout celui-là. Et c'est là où j'ai mis la plupart de mon business, quoi. Mais là, pourquoi le scooter il met là alors qu'il y a déjà 3, 4 de stock? Il y a 4 en stock maintenant. Et ici, on est à 1 des fois quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, j'ai fait un peu pire. Bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je restart? Est-ce que je... Non, je pense pas pouvoir mettre de priorité pour les... Ouais, je commence à avoir un peu faim aussi, mais... Hop là, alors... hop. Ou alors, c'était tout simplement une mauvaise idée... de faire lui.
non, on est jour 30. Mais jour 30, c'est déjà trop tard. Jour 30, c'est déjà trop tard, j'ai quoi? Si, bah, je peux te virer toi, mais... De toute façon, que je les vire ou pas, ils coûtent zéro. Peut-être le virer lui. Parce que... Parce que là, il n'y a pas assez de business. Non mais, j'ai à peine eu le temps. Deux secondes. J'ai une mini idée. Si toi tu continues à bosser un petit peu, je peux pas la vendre tout de suite. Si toi, je te vire. Toi... Je te vire du coup, ça va faire des sous. Ah, eux ils en ont besoin, je peux pas virer. Ça je peux vendre. Qu'est-ce que je peux vendre? Si là ça passe pas par contre, va sûrement falloir restart. Y'a nappe, y'a plus rien. Ce finish de l'arnaque. Bon, en soi, on a quand même de quoi se remettre un peu, vu qu'on a... On a deux producteurs, on a des vendeurs. On peut racheter les canapes. Yeah. On l'a fait. On a les 11 000 dollars pour Hui Xiao. Maintenant, les investisseurs vont pas brûler les restaurants. On peut faire de l'argent. Super. Et c'est à cause de toi, Miguel. Pourquoi tu m'as pas laissé les buter? C'était sur mon territoire. Parce que c'est mon territoire, espèce de fou. Bien. On m'en fout des restaurants. Mais je viens pour toi, Miguel. Non, tu peux... Hein? C'est moi qui en ai plus rien à faire des restos et qui vient de défoncer. Parfait. S'il pouvait se battre à mort... Attends, mais ça continue? Ça continue? Au secours? Non, il y a des flics. Il y a des flics qui arrivent dans la moitié des restos. Alors, c'est ces gars. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, rien, rien. Ouais. Je me retourne sur vous pour vendre du green.
Et pour violation, visible ou violation des codes sanitaires. Non. Mais merde. J'espère qu'ils vont pas nous arrêter aussi. J'ai le sentiment que ça va arriver un jour. Éventuellement, un jour. T'en fais pas, j'ai fait ça des milliers de fois. On va penser à un truc. En fait, j'ai déjà un plan. Alors, je vais pas dire qu'on s'est servi de lui, vu qu'on lui a rendu ses sous. C'est lui qui nous a... Tiens, on s'est servi de lui pour être protégé, mais on lui a fait sortir de ses dettes. Après, au prix qu'il aille en tôle. Donc la chaîne de restaurants, le Sensitive Squid, c'est quoi? C'est poulpe ou pieuvre? Machin. L'un des deux. Ouais, c'était très demandé par la jeunesse dans la ville. Jusqu'à ce que le propriétaire de la chaîne, Hui Xiao, soit arrêté pour raison flagrante de sanitaire. Hui Xiao, les partenaires de Hui Xiao ont promis de réparer tous les problèmes et de fournir aux consommateurs des produits encore meilleurs et de respecter les standards sanitaires. Voilà, alors après quelques petits reloads du coup, on a réussi à y arriver. J'espère que ce troisième épisode sur cette troisième mission vous aura plu. J'avoue que c'était un peu dommage de ne pas réussir du premier coup et de devoir recharger, surtout que ça nous choisit le point de chargement tout seul et ça aurait été mieux que je revienne un peu plus en arrière pour que ce soit un peu moins... Je vends tout à l'arrache et pile poil ça passe. Donc voilà. À plus, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce